Un tonnerre d'applaudissements pour notre prochain candidat, Enzo. Bonjour Enzo. Vous avez 1591 nouvelles notifications en attente, dont 512 messages auxquels vous n'avez toujours pas répondu. Cette nuit, vous avez perdu 330 abonnés, mais vous en avez gagné 544. Le taux d'impression et d'engagement sur votre dernière publication est très mauvais. Je vous invite à devenir plus créatif. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds a key. I'm living in an age that calls darkness light, though my language is dead, still the shapes fill my head. On veut tout savoir de toi. Tout. Comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Enzo Pèbre. D'où viens-tu, Enzo Pèbre? J'habite dans le sud de la France, mais j'ai fait mes études à Montréal. Quel âge as-tu, Enzo? Je viens d'avoir 21 ans. Tu sors tout juste de l'école, là? Oui, je viens de finir cette année. Et c'est ton premier numéro de sortie d'école? C'est la première fois que je joue sur une scène depuis... Oh yes. Merci de nous avoir choisis. J'ai trouvé l'entrée très intéressante. Je trouve très rigolo que tu viennes du public. Je trouve que tu as une dégaine, ce cuir rouge là comme ça. Il y avait une vraie originalité entre le cerceau et la sangle. Il y avait des vraies positions que je n'avais encore jamais vues en cirque. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses très singulières dans ton écriture et dans la manière dont tu as travaillé ton corps. Chaque fois, la question que je me demande, c'est est-ce que de lui, je me souviendrai? Et de toi, je me souviendrai. Voilà. Merci. Merci beaucoup, ça me touche. Alors, la prestation, il y a des choses que je n'avais jamais vues, notamment se retenir au cerceau par les côtes flottantes, là où il y a le diaphragme. Mais je m'en fous un peu, parce que moi, j'ai repéré quelque chose d'autre chez toi. T'es arrivé, tu as fait le comédien, tu as joué tout le long. Tu sais ce que tu devrais faire, c'est te rapprocher du monde du cinéma. Moi, je pense qu'encore plus qu'un circassien, je pense que tu es comédien. Je ne sais pas pourquoi. Merci. Je pense que tu es comédien. Tu as une aura, mais bravo! Au-delà de l'écriture athlétique que tu proposais et circassienne, je pense que tu viens nous raconter tout un système et toute une souffrance. Et je trouve que tu décrivais effectivement très bien la souffrance. Quelqu'un de différent comme toi, ça se repère très vite. On a vu beaucoup de numéros très très beaux, très gracieux, très techniques dans ton style. Mais toi, tu as inventé tes propres figures et tu es venu proposer plusieurs lectures et délivrer un message avec ton corps. Tu m'as énormément émue, sache-le. Merci. Merci beaucoup. Ce que j'aime avec toi, c'est que de l'entrée jusqu'à la toute fin,
on est avec toi. Et non seulement tu as la technique qui est originale, mais tu vis ton numéro. Nous, on évalue objectivement, on regarde la technique, on regarde tout, on commence à noter. Mais il y a aussi des frissons. Et ce soir, avec toi, on a eu des frissons. Donc ça, c'est... Wow, merci. Ça, c'est grand signe que tu as ta place ici. Ça va être difficile de voter, là. Eh bien, c'est un énorme oui. Merci. C'est un grand oui et vraiment, j'ai très envie de te revoir sur notre scène. Merci. C'est un très grand oui pour moi aussi. Merci. Alors, oui, c'était chouette. C'était chouette, mais je te préfère, je pense, en comédien quand même. Je te préfère en comédien qu'en acrobate. J'ai pas très envie de donner un oui, non. Mais c'est mon jour, j'ai envie de dire non, c'est quand même fou, ça. I see skies of blue. Non, je suis pas. Bien sûr que oui, c'est un incroyable talent. Et surtout... Oh, what a wonderful world. Mais la comédienne, c'est elle aussi, hein. Oui, vraiment. Parce qu'avec ce qu'elle dit, on s'en doutait pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai un amour maternel pour lui. J'ai l'impression qu'il existe depuis toujours, en cinéma, en noir et blanc. Il exprime tant de choses avec son visage. Je pense que c'est quelqu'un d'unique. Il est incroyable, le talent. Au-delà de son numéro et de son talent, il a eu la délicatesse de ne pas vous parler de son message, qu'on a un petit peu entendu quand même quand il descendait. Mais il y a un vrai message, parce que ça a été une star des réseaux sociaux, et il a dit stop, parce que c'était trop violent. Explique-nous quand même en 2 secondes. Ce numéro, il est parti d'un petit problème que j'avais dans moi, dans mon corps, dans ma tête. Depuis que je suis tout petit, j'étais un peu propulsé dans tout cet univers où il y a les réseaux sociaux et tout ça. Je suis devenu un peu addict à tout ça, à vouloir toujours faire plus pour provoquer plus, parce que j'étais insécure, et quand on est insécure, on aimerait juste qu'on se dise « Ah, waouh, qu'est-ce qu'il est beau, Enzo !» Et je me suis oublié dans tout ça, et j'ai oublié tout le monde, j'avais pas d'amis, rien du tout, je continuais tout droit. Et jusqu'au final où j'en oubliais vraiment qui j'étais sur mon cerceau. Et du coup, quand je suis parti à Montréal, je me suis dit non, c'est bon, c'est pas ça la vraie vie. Et... T'as tout coupé. Et voilà, la vraie vie c'est qui je suis avec mon cerceau, et je suis super content d'être là ce soir. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, Enzo. On te retrouve en finale, Enzo. Bravo, merci. Enzo, on se voit en finale.